raffiné, élégant, ça te parle particulièrement. Moi, j'adore. Moi, on est presque dans un roman de Balzac, je trouve. C'est une vitrine emblématique d'un secteur du luxe français, le parfum. Ah. Est-ce qu'il y a des odeurs qui vous font tourner la tête ? Des odeurs qui font tourner la tête, écoutez, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire qui paraissent immédiatement intelligents, certainement, mais là, ça ne me vient pas. Est-ce que tu es plutôt fidèle, toi ? Oui. En parfum ? Oui, très. Très ? Très fidèle. Toujours le même ? Je peux changer, je peux plus, non. Je peux plus. Si je change de parfum, tout le corps fait « Hey, c'est quoi ça ? Mais c'est quoi cette odeur ?» Donc, je n'arrive plus. Et t'en mets tous les jours du parfum ? Oui. Si je te dis parfum célèbre, immédiatement tu penses à quoi ? Guerlain, Chanel, Dior. Bon, Paris, capitale du luxe, capitale du parfum aussi, méritait bien son musée. Oh, magnifique, hein, quelle belle idée. Hein. Ouais. Et celui-ci, il a ouvert ses portes très récemment, en décembre dernier. Ah. Oui, ça me touche beaucoup. Et puis je trouve que ça nous permet, en tout cas ce musée, certainement, va nous permettre de percevoir la société sous un angle auquel on pense rarement. Bonjour Virginie Lemoine. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes comédienne à l'affiche depuis le début de l'année dans cette pièce Piège mortel. Vous êtes metteur en scène également. Deux de vos spectacles sont à l'affiche en ce moment. Quelle actualité ! Oui. Alors évidemment, on va en parler dans cette émission. Mais avant, je vous propose de nous plonger dans un monde d'odeurs, de senteurs en allant découvrir ce grand musée du parfum. Mais avec bonheur. Hein, on y va. Alors, le jeu, c'est quand même de ne pas marcher sur les loupiottes. Alors, ne marchons pas sur les loupiottes. C'est un nouveau venu dans le monde des musées parisiens. Le grand musée du parfum a ouvert ses portes en décembre dernier, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le très chic 8e arrondissement, le quartier du luxe et de la mode. À travers un parcours ludique et sensoriel, les visiteurs découvrent l'histoire des parfums depuis l'Égypte des pharaons jusqu'à nos jours, ainsi qu'une collection olfactive unique constituée de 70 odeurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Virginie. Merci. Virginie, est-ce que tu sais à quand remonte le premier parfum ? Pas du tout. Je crois que c'est l'Antiquité, c'est ça ? Exactement. Ouais. L'Antiquité égyptienne. Nous invitons ici à sentir le kifi, premier parfum de l'humanité, parfum dans le sens formule complexe, élaborée. Et le kifi a été recréé ici à partir de sa formule qu'on a retrouvée sur les temples d'Edfou et Philae en Égypte. Je vous invite à le sentir dans la vasque. C'est délicieux. C'est incroyable. Hein ? Quand ils ont créé le premier parfum sous l'Antiquité, alors c'était des fleurs, on faisait des essences. Des fleurs, des résines. Non, les essences n'étaient pas encore inventées. La distillation est venue beaucoup plus tard. Donc, en général, c'était des macérations de fleurs dans de l'huile. Ah, d'accord. Qui permettaient de conserver l'odeur. Nous arrivons ici dans le cabinet des curiosités. À l'origine, le parfum était surtout utilisé pour soigner ou dans des rituels. Absolument. Donc il y a une histoire qui est le vinaigre des quatre voleurs qui date de la Grande Peste. On avait arrêté des voleurs qui dépouillaient les maisons des pestiférés sans jamais attraper la peste. Et du coup, en échange d'une grâce, c'est-à-dire on les a pendus à la place d'être brûlés, ils ont donné la recette de cet arôme qui les protégeait à base de vinaigre et d'épices. Et cette formule, évidemment, a été distribuée à la population et a permis de sauver beaucoup de vies. Ici, ils sont représentés dans des gouttes les matières premières les plus emblématiques de la parfumerie. Donc aussi bien des absolus de fleurs traditionnelles, mais on a voulu aussi présenter des matières premières dites synthétiques pour expliquer au public qu'elles sont indispensables dans la création et permettent de créer des choses totalement nouvelles. Bon, spontanément sur Virginie, vous associeriez quelle molécule ? Quelle molécule ? Quelle odeur ? Ouais. La fleur d'oranger ? Quelque chose de solaire, de lumineux, de féminin, de radiant. Oh, c'est gentil. C'est un gâteau un peu doré. Non, du manicot. C'est un petit gâteau. Si, ouais. Il y a un petit côté, non ?
arrive ici au jardin des odeurs. Virginie, si je te dis une odeur liée à l'enfance. L'odeur du thé, parce que quand je rentrais de l'école, maman préparait le thé, elle buvait du thé de Ceylan. Est-ce qu'il y a une odeur qui est liée à un souvenir sur scène? Sur les planches ou... Sinon, beaucoup, c'est le parfum de mes camarades. Hein. Ah. Mais c'est vrai que si je vais sentir un parfum, je vais me rappeler d'une pièce, ah, d'une distribution. Oui, là, c'est chez Léon. Et j'y vais depuis que j'ai 16 ans. C'est parce vrai. Que j'étais au lycée Condorcet, au bout de la rue, donc c'était mon QG. Donc tu viens ici depuis longtemps? Oui, depuis j'avais 16 ans, donc depuis 10 ans. D'accord. Je vais vous montrer. 10 ans, d'accord. Bon, allez, viens, on va fêter tes 26 ans. Alors Virginie, vous êtes depuis toujours une passionnée de théâtre. Vos premiers pas, vous les avez faits sur les planches à Paris en 1982, dans l'Éginette. Quels souvenirs vous gardez de vos débuts? Ah ben, l'Éginette, c'était mon premier passage en public. C'était la première partie de Juliette Gréco. Et c'était les fêtes gays à l'époque, c'était très très chouette. Et j'ai eu tellement peur, et sur scène, je me sentis tellement légère que je me suis dit, si j'agite les bras comme ça, je vais pouvoir m'envoler. C'est quand même un souvenir assez extraordinaire. La première grande rencontre que vous avez faite dans ce métier, c'est Jacques Martin? Oui, avant, c'était Claude Villers sur France Inter. Ouais. Voilà, le premier, vraiment, c'est Claude Villers. Chez Claude Villers, j'ai rencontré Laurent Ruquier. Laurent Ruquier m'a présenté à Jacques Martin. Et Jacques Martin m'a fait faire de la télévision régulièrement. Et c'était très plaisant. C'était formidable de travailler avec lui. Hein. C'est vrai qu'à la télé, à la radio, vous avez animé beaucoup d'émissions. Je vais en citer quelques-unes. Hein, S'ils font Fonfon, c'est aussi bien à l'ombre, le vrai faux journal. La classe, vous avez aussi été chroniqueuse chez Laurent Ruquier, N'en rien à cirer. Et puis, vous avez formé ce duo irrésistible avec Laurent Gérard. Vous avez connu de belles heures tous les deux. Ah oui, on s'est beaucoup amusés. Hein. On n'avait pas tout à fait le même univers, parce que Laurent, il est très, très... Bon, déjà, je ne parle même pas de son... On ne peut pas dire qu'il a un talent d'imitateur, il a un don. C'est absolument extraordinaire. Mais en dehors de ça, il est auteur aussi et il est très, très doué. Il a beaucoup de fulgurance. Voilà, il fait des jeux de mots absolument extraordinaires. Il a des chutes, vraiment des brefs formidables. Moi, j'adore les choses brindezin qui ne veulent rien dire. Donc, à tous les deux, finalement, ça fonctionnait bien. Et viens, Virginie. Tu viens d'où? Châtillon-sur-Chalaronne. Je connais bien. Il y a une église là-bas. Forte de toutes vos expériences, en 2000, vous créez votre propre spectacle. Virginie ne fait pas le moine. Ah oui, c'était vrai. Est-ce que vous avez eu le sentiment à ce moment-là de sauter dans le grand bain? Oui, enfin, j'avais fait 3 one-man shows. Ouais. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. En fait, j'adore les trucs complètement absurdes. Donc, le public qui me connaissait à la télévision, qui me connaissait avec Laurent, ils venaient chercher un peu ça et ils étaient un peu déçus. Et puis, les gens qui venaient un peu reculons parce qu'ils venaient chercher autre chose, ils étaient plutôt contents. Mais j'avais pas tellement de plaisir à être seule sur scène, à faire des sketchs, tout ça. Moi, je veux bien monter seule sur scène pour faire un monologue, mais plus des sketchs, non. Ouais. Non. Ça vous amuse plus? Non, ça m'a d'ailleurs jamais franchement amusé. On le sait un peu moins, mais vous avez été aussi à l'affiche d'une petite dizaine de films. Moi, j'ai le sentiment que le succès que vous avez rencontré à la télévision dans Famille d'accueil vous a un petit peu détourné des plateaux ciné. Je ne me pose pas du tout cette question. Ouais. Je me dis, du moment que je vis de mon métier, quoi que je fasse, je suis heureuse. On me proposerait, par exemple, de partir à Niort et faire partie d'une troupe permanente. Je serais très heureuse. Je quantifie rien du tout. Donc, de faire une série, c'était extraordinaire. J'ai rien fait de mal, madame. Je vous le jure. J'ai des papiers en règle. Tu t'appelles comment? Daïd et Léon. J'ai 16 ans. Je vous jure que c'est vrai. Non, alors, je t'appelle Léon et tu m'appelles Marion et on se tutoie. D'accord? Personne pense que t'as fait quelque chose de mal. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas le droit de te garder chez moi. Bon, c'est bien de parler du passé, mais on va aussi parler du présent. Il y a d'abord Virginie Lemoine, la comédienne qui est à l'affiche dans cette pièce Piège mortel au Théâtre de la Bruyère. Piège mortel, c'est un thriller et vous êtes ? Mira, je suis la femme de Nicolas Briançon. Nicolas Briançon incarne un auteur de polar un petit peu sur le retour. Et il reçoit une pièce extraordinaire, une pièce policière absolument extraordinaire d'un jeune auteur, dont il s'avère que personne ne sait que ce jeune homme a écrit cette pièce. Il le fait venir chez eux. Et il n'arrête pas d'agiter le spectre d'un crime possible, parce que finalement, si on fait disparaître ce jeune auteur,
qui sait que... Qui saura que c'est lui, voilà, qui l'a écrit. Voilà, et qu'il était là ce soir-là, personne ne le sait. Et donc, je fais l'épouse absolument mais atterrée, apeurée, je suis terrifiée à l'idée que... En même temps, je ne peux pas imaginer qu'il va tuer quelqu'un. Tu pourrais tuer pour une pièce à succès. Enfin, Mira, écoute. Évidemment. Alors, il y a aussi Virginie Lemoine, la metteur en scène. Vous avez deux spectacles qui se jouent en ce moment, le bal au Théâtre Rive Gauche, et puis 31. Donnez-nous envie d'aller voir ce spectacle musical. C'est une histoire très, très drôle, très touchante, de quatre personnages. Il y a deux hommes et deux femmes qui se retrouvent pour d'autres raisons que l'amitié pure, en fait. Tous les 31 décembre, ça s'appelle 31 pour cette raison-là, et en fait la narration étant si particulière qu'on n'avance pas dans le temps mais on recule dans le temps. Donc chaque nouvel acte c'est un nouveau 31 et chaque fois c'est l'année précédente. Donc petit à petit en fait on ne prend pas connaissance du destin mais de la trajectoire. C'est la fin d'une année, c'est encore un 31. 31, c'est donc l'histoire d'une amitié rare. En musique, on découvre les petits tourments de ces quatre amis. Tant qu'on est ensemble, plus rien nous arrive. Leurs grands questionnements et l'on partage leurs émotions. Sur scène, les comédiens sont accompagnés au piano par Stéphane Corbin, auteur des chansons. Rencontre avec cet habitué du théâtre musical. Je viens de la nuit, mon amour. Des années, je n'ai pas compris qui j'étais, pourquoi j'aimais ainsi. Évidemment, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce spectacle. La famille, celle qu'on se choisit, la famille de cœur, la mort, la maladie, l'amour, évidemment, la séparation, et puis l'homosexualité. Et la difficulté, parfois, de l'assumer. C'est encore vrai aujourd'hui, vous trouvez ? Oh oui, c'est plus vrai que jamais. Et c'est intéressant ce qui se passe dans 31, parce qu'il y a deux personnages masculins. L'un qui est un homo assumé. Il y a une phrase très drôle dans la pièce où il dit « J'ai fait mon coming out à 3 ans ». Donc vraiment, il est assumé depuis toujours. Et puis l'autre qui ne sait pas du tout s'il est hétéro, s'il est homo, s'il est juste amoureux de ce garçon-là, et qui met des années à se chercher et à trouver, et finalement à se rendre compte qu'il est amoureux de cet autre garçon. Et on se rend compte aussi que ça vient d'un poids familial. Il y a... plus que jamais besoin d'être vigilant sur ces questions-là, parce que l'exclusion, le rejet sont tellement, tellement présents encore aujourd'hui. Ouais. Alors vous, Virginie, dans ce spectacle, vous avez une casquette de metteur en scène. Oui. Est-ce que c'était jubilatoire de passer de l'autre côté du rideau rouge ? Moi, j'adore ça. J'adore mettre en scène. J'adore hériter d'un texte, voir... comment sortir la substantifique moelle, et puis après de me dépatouiller de ces 13 changements de décor, et puis de cette narration qui part en sens inverse, de voir comment on pouvait faire travailler les comédiens de façon à ce qu'à chaque fois ils rajeunissent un peu. Mais ta famille, toi. Pour moi, tu sais, ces réveillons-là, j'y tiens pas plus que ça. On est 9, ma mère prévoit pour 30. Bah, te plains pas, nous on est 30 et ma tante prévoit pour 9. Dans ce spectacle, les chansons, pas toutes, mais en tout cas un certain nombre, proviennent d'un album dont vous êtes l'auteur, le compositeur, Les Funambules. C'est un album caritatif de lutte contre l'homophobie. En ce moment, vous êtes d'ailleurs sur scène tous les lundis soirs. Parlez-nous un peu de ce projet. Comment a germé l'idée ? C'est un projet qui est vraiment né pendant les manifestations contre le mariage et devant la violence des propos qui ont été proférés, des actes, parce qu'il y a eu une énorme recrudescence des actes homophobes depuis ces manifestations-là. Et je pense qu'on a tous été, pour le coup, homo ou hétéro. On est très nombreux à avoir été choqués. Simplement, moi, je pense que ce que j'ai fait avec Les Funambules, je l'aurais fait, par exemple, en d'autres temps sur l'IVG. C'est une histoire de quelle humanité on partage, en fait. Et j'ai eu l'idée de construire cet album un petit peu comme un documentaire, c'est-à-dire de raconter un nombre d'histoires extrêmement variées, en se disant que dans la diversité des points de vue qu'on pourrait raconter, tout le monde pourrait se retrouver, soit soi-même, soit son voisin, son collègue, sa mère, son père, son fils, soit sa grand-mère. J'ai rien demandé aux garçons, mais je fume leurs cigarillos, je leur emprunte des pantalons et je me prends pour un héros. Accoudé au comptoir d'un bar, je drague les filles élancées. En sortant, je lance un regard aux hommes jaloux de mon succès. C'est maintenant l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts. Et cette fois, nous avons choisi un bateau-mouche. Je pense que c'est le jour où j'ai découvert la place Sainte-Opportune. Je ne savais pas qu'elle existait.
J'aime bien Joe Allen, dernier resto américain à Paris. Mais j'avais rencontré un amoureux qui était tellement drôle et qui m'avait fait croire qu'il était un agent secret. Il fallait qu'il me remette une espèce de briquet. Et si j'appuyais sur ce briquet, je pouvais le joindre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'était très, très drôle. Il y a beaucoup de scènes que j'aime dans le film avec Charles Aznavour, Paris au mois d'août. Parce que Paris est vide. Flâner, marcher dans Paris et regarder les toits. La mer. Enfin, un endroit où se baigner. Si on pouvait se baigner dans la Seine, alors là, Paris serait la ville idéale. Magnifique. Merci Virginie. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr revisionner l'émission consacrée à Virginie Lemoine sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. À très vite. Faudra pas nous laisser trop longtemps toutes les images assez vite, ça dévire comme ça, raconte n'importe quoi. Plutôt agréable. Les gens qui adorent. Alors, l'autre Virginie Lemoine, en 2017, elle est... Attends, on va la refaire, mais l'autre Virginie Lemoine... Voilà, voilà. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Voilà. Parfait. Je crois que j'étais bien. Elle a fait ça super.